Et y'a tout le monde et bienvenue, c'est Blue et on se retrouve bien pour l'épisode numéro 36 de ce Let's Play de Monster Hunter Rise Sunbreak sur PC, yes. La dernière fois dans l'épisode 35, nous avions fait une des nouvelles bébêtes qui arrivait avec la grosse mise à jour 5, donc sortie récemment. Et il reste une autre bébête à faire, le Chagaru Magala éveillé. Donc je pense que ça va être costaud. Et puis après bien sûr, le reste entre guillemets, vu que c'est énormément de farms, des bestioles qu'on connaît déjà. Bon, techniquement, on la connaît déjà, celle-là, mais du coup, les versions plus vénères. Bah voilà, tout le reste, ça sera fait en stream, parce que voilà, ok. Du coup, Chagaru Magala éveillé en tour interdite, donc pas besoin de le chercher, hein, c'est bien. Bahari le scientifique. Comme je te le disais, on a découvert un monstre qui a surmonté son affliction, il est désormais ultra puissant. Si tu parviens à l'éliminer, je t'offrirai un super équipement. Au boulot, Team Elgado. Ouais. On va prendre des copains. Je vais prendre Inoa et Minoto parce que j'aime être soigné personnellement. J'ai vu que mon stuff, je pouvais l'améliorer. Donc je l'ai fait. J'ai un petit peu plus de défense, blablabli, blablabla. J'ai changé deux, trois petites choses, mon talisman, peut-être, ou je sais plus quoi. Je sais plus, bref. Je vous montre vite fait mes talents et tout le tralala. Je suis à 966 de défense, donc mine de rien, on s'approche des 1000. Je pense qu'il y a moyen d'atteindre les 1000 en fonction des parties qu'on a. Et des boosts curieux aussi. Mais du coup, j'ai machine de guerre 4, maître d'armes 4, 1 pour tous 4. Berserker, mise à mort, engainage éclair par vent, affûtage rapide, métallurgie, vendetta au niveau 3. Acier trempé 2, max de mission 2, recul réduit 2. Témérité, puissance absolue, guérison, destructeur, attaque furtive et appel spectre oiseau au niveau 1. Voilà. Ce qui fait que je vais attendre de perdre à chaque fois 2 niveaux de tranchant avant d'aiguiser. Parce que j'ai un boost, je crois qu'il est lié à métallurgie ou je sais plus quoi là. Qu'est-ce que c'est? Gna, affichage. Boost des propriétés tranchants selon le nombre de niveaux récupérés. Des propriétés tranchants. Ça doit être que je fais plus de dégâts, un truc comme ça. Sinon j'ai Dango super récup, Dango crise oiseau et Dango défenseur plus. Donc normalement, je suis plutôt pas mal. Ça me paraît pas mal, ouais. Après j'ai pas rechangé mes ouf, mes miaou, mes trucs comme ça, mais bon. Vieille de ma sacoche, j'ai pris de quoi me booster vite fait, potion de pierre, potion de démon, j'ai pris des potions de vitalité, me demandez pas pourquoi. Les pièges, ça marche pas sur les. C'est pas grave. Et du coup des bombinettes, je crois qu'il y a un Somni Crapaud qui se balade dans la tour. On va tenter l'expérience, je pense, on va essayer. Bref, sur ce, c'est parti. Et du coup, let's go, pas de cinématique, après tout. Et puis voilà, on prend le tout le tralala, tout le tintouin. Ça pour pas se faire one shot parce que c'est bien. Et après, je sais plus s'il y a d'autres trucs à prendre ou quoi que ce soit, je crois pas. On va prendre les petits boosts. Tiens, fais voir, je suis à combien? Oh, 1016. Bim, 1041. Oh, damned. Donc on dépasse les 1000 de défense. C'est beau. À 4 chiffres comme ça, je me sens puissant, même si je vais me faire défoncer. Clac, bim bam boum. Et ouais. Après mon arme, je crois que je l'avais boosté un petit peu. Mais faut que j'optimise encore un peu. Faut que j'optimise encore un peu, ça c'est sûr. Mes talents aussi, j'ai pas non plus abusé sur les trucs curieux. Parce que c'est un peu de l'aléatoire du pif, d'essayer d'avoir les talents qu'on veut. Donc voilà. Bah allez, on est parti. C'est parti pour le fun et la vitesse d'abord. Ouais, bah d'accord, super. Ça commence bien. Mais calme-toi. Trop tôt. Ouah, par contre, si je prends des turbo-baffes comme ça, je vais pas faire long feu. Ok. Mon torto m'a sauvé. Impeccable. Dès le début, quoi. Vénère. Et là, il est même pas en mode super balèze. Je suis plutôt content. Non, mais frère. Par contre, il est genre énorme. Ça, genre, être turbo-relou, en fait. Ça, on peut toujours le... Ok, le contrer. Il va falloir que je bourre à fond, là. Agro-gros. Attention, David, gna gna gna. Il va trop loin. Il m'embête. Ah, j'ai réussi à passer outre le debuff. Génération de vie, impeccable. Oui mais non. Calme-toi, ok.
Calme-toi, ça va bien se passer. Mais non. Oh non. Ouah la vache. Putain, ça m'enlève quasiment la moitié de ma vie. Oh la musique quoi. Pardon, c'est les feelings Monster Hunter 4 Ultimate qui reviennent là. La violence. Oh bah mon gars, bam. Ça, ça fait plaisir. Tranchant bleu. J'ai bien perdu de niveau de tranchant là, let's go. Donc, en plus d'avoir un petit boost, mon tranchant reste... Temporairement, il ne bouge pas. Je ne perds pas de tranchant, je crois, pendant une minute, je crois, un truc comme ça. Aïe, ce qui est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Un peu vénère, le machin. Mais wesh! Comment il juste, il fout pas la paix, quoi. C'est quoi ça? Ok, j'étais pas au courant qu'il faisait des lasers aussi. Impeccable. Il me fait peur. Putain la vache. Tiens, ce cadeau. Non, il est trop méchant. Je te déteste, potion secrète. Ah, calme-toi, calme-toi. Oui, dire. Je pense qu'il va pas tarder à être turbo-boosté. Non. Trop tôt. Enfin, ça me touche pas. On va se concentrer. Attaque-moi! Vas-y! Il faut que je passe le debuff là. Encore. Let's go. Bim. C'est fait. Le stress. Il fait. Oh là 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 là. Je sais ça jamais. Ouais, bon. Alors, ça, par contre, il va falloir m'expliquer comment je fais pour passer outre ça. Parce que. Au secourtière. Tiens, ce cadeau. Un petit coup de ça parce que je l'ai pas fait depuis le début. Allez. Si je peux lui couper la queue en plus, ce hein, serait sympa. Insérer ici le stress. Mais il a beaucoup de... Enfin, vraiment ses attaques ont beaucoup plus d'amplitude. C'est ça qui est vraiment ultra chiant. Par contre son laser, ouais. C'est le seul truc, bon il le lance assez rapidement, mais ouais, après je sais pas. Voilà, là, là, là. Pas le timing. Déjà que je fais pas beaucoup de chagarou. Sauvez-moi. Bouge pas, bouge pas. T'es pas gentil, putain. Pas sympa. Ça va être quoi quand il va être turbo énervé en fait? C'est ça que je me dis surtout. Parce que ça va peut-être pas tarder. Oh, bien ça. Allez. Qu'est-ce que je fais? Mais je fais quoi? Je sens que je vais faire des allers-retours à fond la caisse au camp. Ça va, tu t'occupes de ça, let's go. Métallurgie. Ça reste impeccable. J'espère que je pourrais le chevaucher ou quoi, là. Je sais pas combien de temps il va me mettre celui-là, mais ça va pas être 5 minutes. Tu reste là, bouge pas. Putain, non, j'ai le débuff, j'avais pas vu, quel enfer. Il me fait peur. Que des skills, des trucs qui servent à rien du tout. Let's go. Non, pas là, pousse. Rouge.
J'abuse. Il faut. Oh, what? Violence. Oh, on m'a soigné. Et puis la potion secrète, let's go. Bam. C'est pas grave, tout va bien. Impeccable. Je crois que c'était trop tôt, mais ça passe. Putain, il me faut le petit rodéo là. Ça y est, le fun et la vitesse d'abord, je l'ai fait trop tôt. Adieu, ma vie. Donc là, c'est le moment où il va être déjà turbo casse-couille, c'est ça? Donc ça va pas le faire. Putain, il est ultra stylax par contre. Ok, c'est quoi cette explosion en fait? Il se passe quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Damn boy! Et voilà, bonk. Voilà, je voulais le faire quand même. Aïe, je vais essayer de viser la tête, mais c'est mort. Il reste pas longtemps par terre non plus. Si je me prends ça, par contre, je pense que je vais. What? Qu'est-ce qui se passe? Je vais devenir fou, je pense. Waouh. Tant pis, j'ai un petit peu abusé. Pour essayer d'enlever le. De pas bouffer le debuff, mais voilà. Il faut. Ah, mais frère, il se passe quoi là? Il se passe quoi? Stop. Faut que je dise tout de suite. Il me laisse quelques secondes, mais pas trop. Salut! Oh putain! Insane. C'est abusé. Tu peux pas, pousse. Bam, bam. Donne-moi ça là, ce petit bout de queue là qui est tout rouge là maintenant. Oh la vache. J'aurais bien dû. Waouh! Il s'arrête genre absolument jamais, tant pis ça. Il est vachement rectiligne là sur ce coup là. Donne-moi le buff s'il te plaît, au secours, sauvez-moi. Aïe 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 aïe. Pire plan de la vie, non, c'est ça? Ah, j'ai le buff, yes. Nickel. Partie détruite. Oh, je l'ai cassé! Il est cassé. Yes, yeah, ça c'est bon ça. Ça mérite un petit coup sur la queue là. Il est trop vénère, putain. Il est trop grand aussi. Je sais pas si le chagarou de base est aussi grand normalement. Ça me stresse beaucoup. Ouais, mais par contre, j'aimerais bien que ça me touche. Genre, attends un peu quoi. Aussi, non? Trop tôt. Oh là là, c'est pas possible. Putain, il est déjà remis en mode turbo vénère, quoi. Je sais pas comment je vais faire maintenant cette histoire. Moi. J'ai frôlé la mort, je crois. Calme-toi. Je suis bien placé. Ok, il y a quand même un endroit. Non. Let's go. Turbo stress. Mais. Ouah, c'est pas possible, quoi. Tant pis, potion ancestrale. Il me fatigue. Il est trop méchant avec moi.
peux t'arrêter, s'il te plaît, merci, ce serait sympa. Oh là 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 là. C'est possible. Let's go. Je vais prendre une grosse fessée dans 2 secondes. J'ai pas... Si, j'ai le temps déguisé. Avec, qu'est-ce qui passe? Que se passe-t-il? Grosse explosion. Ok. Très bien, j'ai compris. Yes! Let's go! Un petit bout de queue en moins là, que tu as fait hier. Ok, bim. Bouge pas, bouge pas. Non! Oh là là, l'explosion. Il est trop intense, hein. Il est beaucoup trop intense. Ah, par contre, s'il te plaît. Bam, c'est cadeau. Wesh! Le rayon magique de la mort qui tue. Putain, je vais mourir, c'est sûr. Ouais, ça, si elle me fait soigner. Ouais, bon. Je me suis refait soigner. Bon, impeccable. Mais frère, s'il te plaît, par contre, arrête. Horrible. Voilà, il est cassé. Je vais pouvoir focus peut-être un peu plus la tête. Moi, j'aime les dégâts. Bam. Bim, let's go. Oh yes, ça c'est bon ça. Eh ben c'est pas trop tôt ça. Hein. Allez, on va se faire ça. Donc, bim, badaboum. Bim, super badaboum. Et là par contre, tant pis, je te recolle là. Grand Pegida. On va y arriver. Est-ce que je peux faire ça? Ça passe ou pas? Ouais, ça serait bien passé si j'étais un tout petit chouï plus près. Je te déteste. Frère, je suis limite au-dessus de l'explosion, quoi. Ça veut pas le toucher, hein. Je suis dans l'attaque, mais... Let's go. Bon, je vais rien dire parce que non, j'aurais pas dû toucher, hein, clairement. Bam. Oh non. Super mal calé. Ouais, c'était chiant. Ça... Je fais de la résistance alors que j'ai vraiment plus de comme soigner. Non mais arrête! Ils arrivent pas, ils arrivent pas. Au secours. Petit aiguisage. Let's go. Bouge pas, bouge pas. Waouh, ça touche n'importe comment, au secours. C'est la déche des soins là, non? Je crois. Ouais, bon, bon, j'ai compris. Ça... Est-ce que ça le fait chier ça? Enfin, j'aimerais bien. Ouais, ça l'embête. Excusez-moi pour le terme. Il est embêté, très fortement. Super. J'adore les trucs que je prends comme ça, quel plaisir. Seulement la dèche que je suis sur les poudres de vie. Mais il est mort à l'intérieur. Let's go. Peut-être y arriver, hein. C'est un peu long, mais on va y arriver. Trop tôt encore. Non, non, mais le timing, c'est pas possible avec moi. Ça n'existe pas, les timings. Oh, il est bleu! Ça, par contre, c'est une bonne news. Très très bonne news. J'aime beaucoup. Frère, stop. Non?
tellement excessivement relou. Putain, il le fait une trop. C'est le moment où je suis vraiment dans la sauce. Ouah, frère, je suis tordé. Ça y est, je vais mourir. Par la grosse explosion finale. Putain, il est bleu, quoi. Blue. Boum. Ah bah oui, c'est de la merde. Bah yes, on va reprendre, hein. C'est bon. Voilà, faut pas chercher, hein, faut pas chercher. J'aurais pu y arriver, voilà, mais l'espoir est perdu. Sniff. Ah bah le tortobé est de retour. Bon bah je vais pas me plaindre. Ça c'est fait. Non, il me restait les premiers. Non, c'est pas vrai, j'ai pas utilisé les premiers sans plus. Ça aussi c'est l'échec d'une vie, ça. Je serais peut-être pas mort. Bon, si, sûrement, parce que vu l'attaque que c'est, je pense que c'est normal de mourir. Mais bon. Ah, tu as des problèmes. C'est non. Je suis sûr qu'il va mourir dans pas longtemps en plus, donc... Ouais, mes frères, à un moment, stop. Je suis encore étourdi. J'ai été soigné, je vais pouvoir vivre. Non mais pas... Il y a pas d'abus quoi, ça va, c'est ça que je veux dire. Pas du tout d'abus. C'est vraiment chiant. Ce qui m'emmerde aussi, c'est qu'il m'écarte sur certaines attaques comme ça là. Oh yo yo. Viens, on dit que tu décèdes maintenant, ce serait sympa. Je suis trop débile. J'ai peur. Bam, bam. Il a plus de vie, c'est pas possible. Hein. On est d'accord. STP décède. C'est pas possible. C'est une blague. C'est une mauvaise blague. Il veut pas. Il veut juste pas mourir en fait. Je te déteste. Ouah, comme ça le fait drifter. C'est beau, ça. Bam, bam. Ah, quand même. Il est un peu énervé, en fait. Faut vraiment être sur la défensive, mais aussi bien se caler, parce que sinon, c'est la fessée. Hein. C'est la grosse fessée. J'aime ça, j'ai transmis. Elle est Chagaromagala, purificateur Chagaromagala. Avec la Chagaromagala. Rentrons maintenant. Ah bah il serait temps, ouais. Cortec Chagaromagala. Très bien. Est-ce que j'ai dépecé la queue? Ça, c'est une autre histoire. Il y a un beau shiny aussi là-bas. Avec la Chagaromagala. Et la queue de Chagaromagala. Éveillé. Ouh. Oh là là. Fouet Chagaromagala. Très bien. Bon bah ouais, il est costaud. J'imagine qu'il est en mode plus dans les quêtes anomalies ou je sais pas quoi là. Donc, enfin, quête slash investigation. Et je pense que ça doit être moins rigolo. Là, ça doit être la turbo fessée là-bas. Déjà qu'elle était turbo pas mal. Heureusement que j'ai Inoa et Minoto qui me soignent quand même. Parce que là, c'est pas possible. Cortex éclavouge, purificateur cortex, nina. J'aime Chagaru réveillé, coupant de nu. Dino 9, oui, purificateur cortex. Très bien. Pavois de lumière, obtenu un prix. Très bien. Soit. Alors la question c'est, est-ce que ça a débloqué d'autres quêtes? C'est pas impossible. Incitation, Gorgala, plus Malzeno, Couchadora Velcana, Théostra, Basalus Vulcan. J'ai
principale, je crois pas, non. Il y a trois quêtes là. Après, bon, les anomalies, il va falloir que je monte, donc je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix, mais visiblement, de ce qu'on m'a dit, de ce que je sais, il faut que je monte investigation 240. Investigation 240. Enfin, anomalie 200. Là, je suis 223, il faut que j'arrive 240 pour débloquer visiblement des quêtes dans. Je sais pas si c'est dans les 8 étoiles ou des nouvelles. Et apparemment, quand on est niveau 300, on débloque aussi d'autres trucs. Enfin, voilà quoi. Mais ça, du coup, je le ferai en stream parce que normalement, il n'y a pas de nouvelles bébêtes à proprement parler. Mais c'est pas pour autant que le let's play est fini. Et oui, pourquoi Blue? Pourquoi? Eh bien, c'est plutôt simple. Parce que même s'il y a cette fameuse mise à jour 5 là qu'on a eu et que ma foi c'est génial, il va y avoir visiblement une autre petite mise à jour, voilà. Avec des variantes de monstres, c'est ça? De ce qui a été dit, voilà. On verra bien, ce sera la surprise, mais en tout cas, ce n'est pas fini. Mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite la suite. Et ouais, obligé d'attendre. Mais pour les rediffs, faudra que je fasse. Bref. Allez, sur ce, c'est la fin de ce petit épisode, si ça vous a plu. Le petit pouce en l'air, sinon le petit pouce en bas, c'est pas déjà fait bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Et puis voilà, après il y a toujours les petits liens en dessous, blablabla, le Twitch, le Discord, blablabla. Je stream régulièrement le dimanche après-midi de 14h à 17h sur Monster Hunter Rise and Break. Les autres jours, ça m'arrive de faire d'autres choses comme ça. Vous savez tout. Allez, sur ce, portez-vous bien et à une prochaine. Allez, des bisous.